récemment, tout le monde a posé cette question, qui ça Haïti fait la payer? Je ne j'ai dit à la Haïti tourne un vieux bagay, Haïti tourne un côté personne pas besoin vini, Haïti tourne un pays yo gade pi mal. Eh bien, nan mod lan, mesdames et messieurs, par rapport avec politicien yo, par rapport avec un Jean, eh bien, homme politique yo, donc yo même yo ap géré pays ça, nan met tête yo ensemble avec blanc, kap mette gang nan pays ya, kap mette volon nan pays ya, kap mette kidnapping nan pays ya, même nèg nan l'état pas droite, mesdames et messieurs, eh bien, Dominicain qui yo même wè comment Haïti ye, yo obligé voye tête yo Haïti vin fè kidnapping nan, mette avec divers groupes gang. Bas 5 secondes gen kidnapping nan. Ti la pli gen et Dominicain. Ti bois gen Dominicain. 5 secondes gen Dominicain. Ki donc chaque groupe gang nan pays d'Haïti gon grain Dominicain en dan pour nous pas dire gen détroit. Et bien c'est Dominicain ça que la police mette en bas code qui les même déparler et mi se bay tout détail sous quantité Dominicain qui ont même résidé en Haïti et qui a fait kidnapping divers groupes gang ouais et bien boss yo c'est Seromeng yo qui a voye zam bay nèg yo vi retourner et puis l'état Haïti même rete je fermé sous dossier ça yo pa jam prend responsabilité yo pa jam prend disposition pour finir avec insécurité à nan pays d'Haïti. Et bien mesdames et messieurs bagay la arrivé dans au niveau là nous obligé et bien et mandé concours pour nous retirer Haïti dans salle là. 7 ans j'y a kap vini là c'est pour le faire président Jovenel Moïse un an depuis l'assassiné. Et bien gen yon groupe policier qui décide mettre tête yo ensemble 7 ans j'y a là kap vini yo pral prend béton yo pral prend la ria là pour fouler béton pour bay. Et bien yon dernier hommage avec président Jovenel Moïse qui pral faire un an depuis l'assassiné qui pa jam ka joine dans justice et puis Ariel qui participe dans tout le président c'est lui kap dirige pays ça. Est-ce que Jovenel ta bien justice? Nous pas arrêter quoi ça. En tout cas mesdames et messieurs, pas oublier ou sous TV la caille, restez connectés sur vidéo parce que grand pile information en dedans que nous pas détaillé, nous même on va découvrir. Abonnez, like, partager, commenter, n'a pas tourné. En dans la police nationale. A fouler béton 7 février. 6 7 juillet. 7 juillet. Policier oui. L'autre policier. 7 février 7 7 aïe 7 février. Sébastien. 7 juillet. Sébastien section 9. Dans cadre Policier syndicat yo. Dans le cadre. Comment il dit ça? Commémoration, mais. Assassinat. Assassinat. Date assassinat, président Jovenel Moïse. Ok. Ces policiers vont profiter de cette occasion. Ok. Pour fouler béton. Est-ce que ces policiers qui sont dans le cadre de syndicat ou bien policiers en général en dedans? Policiers. Policiers. En dedans la police nationale d'Haïti. Sont l'autre fois. Donc 7 juillet. 7 juillet. Ok. 7 juillet sous béton. N'est-ce sous béton. Ok. Syndicat, tu as dû accompagner automatiquement. Automatiquement. Les policiers choisis pour fouler béton. Ouais. Il veut dire ça, veut dire. Il veut dire ça, veut dire. Correct. Donc moi-même, tout là, vous m'avez une nouvelle là. Bon, ça ne peut pas se faire. Ok. M'avez une nouvelle là. Fini, m'avez dit rien encore. Permettez la toute, madame, monsieur, écoutez, gardez des moments qui arrivent. Ouais, par exemple, quand il y a là, dans ce moment-là, là, ou après des figures tout le monde, ou après des matins, ou pas un moment où vous faites, là, tout le monde triste. Non, oui. Pas grand monde qui gon figure qui est content, bien matin, dans tout. Comme si, ou est-ce que les visibles, vous ne pas vivre dans le pays, ou pas remarquer, pas de machine dans la guerre. Pas de machine, monsieur. Ce n'est pas deux problèmes qui vont dans le pays d'Haïti. Madame, monsieur, le pays d'Haïti ferme, oui. Et comme je toujours dit dans l'émission matin débat, problème politique, problème de gouvernance. C'est eux-mêmes que nous, chaque jour, c'est d'eux qu'on a parlé chaque jour. Mais, problème qui a à voir avec la question de l'environnement, savoir, c'est année ça, nous sommes en pleine saison cyclonique, madame, monsieur. C'est pour prier, mon Dieu, pour nous pas prendre un cyclone, pour nous pas prendre un tremblement de terre, pour nous pas prendre une tempête, madame, monsieur, pour cette année 2022. Ouais, ça, nous, peut-être, nous avons chaque jour dans la question politique et sécurité, bah, ça, mais. Si le pays a crasé là, c'est un bon tremblement de terre. Bon, c'est fini pour Haïti. Nous ne voulons pas bon pour le pays, madame, monsieur. Nous ne voulons pas bon. Vous avez des figures pour ici. Madame, monsieur, moi-même, il y a des gens là qui viennent là, je dis non. Nous ne pas besoin de venir encore parce que je ne suis pas encore. Je vais entendre tout ce qui m'épuise. Tout ça me gagne déjà. Je vais entendre encore, je vais entendre tout. C'est pour dire ça. Mais pour le moment, c'est que je vais entendre, Josué. C'est chaque jour que je suis dans une situation qui est plus difficile. Ah. Par exemple, hier, il y a une madame qui vient là. Et ça y est. En février, madame, nous devons venir là, 15 000 goudou.
Li tourne encore côté mon frère pour un autre problème, oui. Non, le principe est comme ça. Comment bien, madame, monsieur? Côté mon habitué, je ne sais pas, là, toujours venu. Est-ce que vous comprenez? Côté l'habitué, je ne sais pas. Et puis, le Jimluko, excusez-moi, c'est un monde en pile, mais pas un autre monde, c'est où? C'est où même qui casse problème? Voilà. Et pour l'an, il vient avec le devant, il vient avec tout le plus grave que le problème que le dégain en février. Mais je ne suis pas besoin de venir parce que je ne suis pas gagné encore, je ne suis pas gagné, tout ça me dégain, tout. Mais je dis, après que le pays a nos situations, tout le monde a un problème. Figure tout haïtien marqué tristesse, madame, monsieur. Moun nou va la penser. Moun nou va la penser. Je ne peux pas connaître un monde qui n'a pas de problème, madame, monsieur. Ouais, figure. Hein? Ouais, c'est ma tristesse en tête. Mais c'est vrai, ouais, j'ai un problème, Louko. Ça, j'ai un problème, oui. J'ai un problème, Louko. Mais, j'ai un problème, parce que l'autre. Non, comme ça, elle touche. On allait, monsieur, on allait. Ok, bon, installez-nous. Nous allons entrer dans un an causé pour aujourd'hui, mercredi 22 juin. On a commencé par déléguer. Et déléguer. On a commencé par insécurité. Oui. Parce que nous pas réussi là, oui. Non, nous pouvons déléguer. Pas de problème. Ok. Haïti, insécurité. Les cas de kidnapping ne cessent d'augmenter. Dans la capitale haïtienne, l'ancien délégué départemental de l'Artibonite, M. Jean Wessner Amizial, kidnappé. Quelles rançons exigées de ses ravisseurs? Quelle époque était délégué? C'était sous le président Mantelli. Ok. Non, sous le président Jovenel. Sous le président Jovenel Moïse. Très bien. Il était délégué sous le président Jovenel Moïse. Il était magistrat sous le président Mantelli. Il vient déléguer, donc, départemental sous le président Jovenel Moïse. Jean-Christian Amizial, c'est un petit authentique de la ville de Gonaïve. Il est un entrepreneur, ils sont businessmen, ils sont figures politiques pour le département de l'Artibonite. Et bien, hier soir, vers 10h du soir, il y a remarqué la machine, monsieur, l'entrée Mont Galvert. Et puis, il y a une autre machine qui est pratiquement devant. Et puis, il y a un passeport, Jean-Christian, dans la machine. Et puis, quelques temps après, vous me confirmez qu'effectivement, il a été kidnappé, madame, monsieur. Et jusqu'à minute en parler là, par exemple, qui connaît, qui boit Jean-Rosner. C'est des gens qui vraiment fait partie de la famille Jean-Rosner, c'est qu'il y a plus de détails. Donc, pas hésité à communiquer. Donc, aïe, monsieur Matéli, nous avons un téléphone bam, déjà. C'est 44, 54, 57, 57. Ok. Ça, alors, sur question kidnapping. Bon coup. Ça a un gros coup. La question de kidnapping, je vais regarder. Où est-ce que vous désirez? Bye et Matéli, on l'autre cloche. C'est nous-mêmes qui t'es toujours dit là que le service secret dominicain envahit le pays. Oui, c'est clair. Et il y a financé des groupes de gangs en Haïti. Correct. Regardez-moi, je veux dire là, comme si une équipe et journal en ligne ou même pas qu'on est d'autres médias a parlé de Dominicains qui impliquaient dans la gang Haïti. Nous parlons de ça déjà comme ici. Si nous, comme si ça a pas comme nouvelle. Correct. Mais ça belle comme nouvelle. Pas oublier comme attendez bah toujours en avance pas c'est pas là monsieur. Gon dominicain là qui n'a même des CBJ. Monsieur il est Molay Ortiz Miesses. Et bah dès parler nous a parlé là non. Ah ouais, tu coupes pète maï moi. Monsieur dans gang tu l'appli. Timakak avant. Monsieur dans gang Timakak. Oui. Non, avec monsieur fait mieux dit que c'est lui même qui tirait donc Dani. Puis t'as Dani Toussaint. Oui, comment monsieur encore? Policier petit oui, petit Dani Toussaint, oui. Ancien soldat américain qui devait entrer dans la police. Soldat américain. Oui. Et monsieur, bah, tout détail qui l'opération des menaces. OK. Et monsieur est clair, donc lui-même, il fait partie de monde qui kidnappe un pile monde dans le pays. Et monsieur dit, tout chef de gang, il y a un Dominicain avec eux. Oui. Pas un ambassadeur et Dominicain. Il y a un ambassadeur haïtien qui dit chef. Chef kidnapper, c'est Saint-Domingue. Très bien. Ok. Donc, monsieur, il est Molay Ortiz Miesses. Actuellement, je vais répondre à une question de CPJ. Alors, monsieur, il est Dan Jerry Toussaint. Dan Jerry Toussaint. Correct. Donc, là, monsieur fait aveu. Monsieur dit c'est l'équipe. Monsieur Claire Sousa, oui. Visite Dani. Visite Dani Toussaint. Ok. Donc, et monsieur dit que si des pour question kidnapping, il n'y a pas qu'à compter comme kidnapping que lui-même fait. Oh! Ah ouais. Oui. Et même avec ça, ou pas le nom avocat, un avocat pour le faire changer déclaration ça. Et d'autres. Un bon avocat fait changer déclaration. Non, d'ordinaire. D'ordinaire, correct. Avocat pour le faire changer déclaration. Correct. Avocat sont professionnels. Okay. C'était avec la pierre. Non. Mais il faut avocat dans le pays. On l'a. Bon. Nous avons Dominique là. C'est ça qui pour arriver, le fait que Nègre l'a
lui même la professeur c'est métier non un problème l'a travail l'a défendre client pas belle tout vite maintenant voilà le même c'est pas belle tout vite qu'on a monté dossier en face lui un bon dossier mais oui ça la police a fait travail lui la police a fait travail lui juge a fait travail pour avocat lui même l'a fait travail lui et maintenant rapport la police là ça ça pas être drôle là même au niveau de l'académie on fait gros débat sur ça dossier la police préparé rapport la police fait l'arrivée devant juge il va m'occuper il va tenir compte de lui non mais étant donné que l'équipe on a parlé de on a parlé de CPJ on a parlé de sous le dossier la manger le plus souvent oui le plus souvent sous la manger Daniel Moïse et Rimrio Dominicain nous on Dominicain là Dominicain Galvez 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 donc en tout cas donc moi là aussi c'est Mrs Dominicain ça et ben lui nommé la police c'est pas deux parler d'appeler et il fait partie de gang et d'abord volume. Bien sûr ensuite il abri et il fait aveu côté que c'est pas seulement lui-même comme Dominicain il dit que presque plus fort chef de gang yo Dominicain qui pratiquement donc avec eux donc la question kidnapping la question sécurité pratiquement dans le pays Galvez donc, Galvez bonjour Lexido Jaïs César bonjour président président Louko ah non Louko excusez-moi ça je me fais alors pas faute mais non Dominicain toujours fait ouais pas un problème. Non, 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 attention, faut pas aller comme ça. Et alors, comme nous, Louko, et il y a une belle demoiselle qui m'a demandé, Louko, pour lui, est-ce que le papa le kata avait. Alors, pas qu'on est mon nom, mais ça dit, il dit, Louko, qu'on qui est. T'es chargé. Eh bien, pas un problème. Ouais, demoiselle Lacombe qui côté pour lui faire des matchs. Lui-même qui connaît. Son Dominique est choisi pour lui faire des matchs. C'est en prison. Galvez Aguin, vous tendez à parler là, au Gombay? Premièrement, on m'a fait connaître que Santiago n'a pas parlé dans les têtes en bas. Hier, il y a un avocat, M. Basilio Guzman. Basilio Guzman, il y a un côté bandit, et monsieur, presque en face la Cali, pendant que j'étais descendu pour un journal pour lui. Et bien, pendant que au film de la il a tout servi à elle, et bien, dans un moment, côté l'armée dominicaine avec la police, et qui est dans la rue, mais il n'y a pas de résultat parce que Bandi a décidé réellement, et bien, troubler la paix. Peuple dominicain, dans mon qu'on a parlé là. Deuxième, il a fait nos sujets, c'est un journaliste. Il y a eu, gagné, et chancellerie dominicaine, en parlant de Robert Trujillo, qui réunit avec homologue lui dans l'ONU. Côté, eh bien, thème Haïti, c'était primordial pour lui. Eh bien, lui demande pour que l'ONU, eh bien, aide Haïti parce que eux-mêmes, ils n'ont pas qu'à faire rien de ça. Troisième, il y a eu, comme on parle de ça déjà, eh bien, il y a un pile plein dans le consulat haïtien et surtout dans Igwe. Dans Igwe, il nous connaît et Igwe, c'est un autre côté, nous demander et pour m'attendre à débat, eh bien, t'as son coup de pied arrivé dans Igwe parce qu'il y a un côté qui est hello, yo de la frio ça. Trouve Yosa, c'est là qu'il y a plus haïtien côté dominicain qui a rentré là. Et bien, dans ce consulat haïtien, bah, au dos, et bien, yo mandé matin débat, yo mandé Pierre Tatou, yo mandé José Lexido avec Louko Desi, Louko qui allait tout côté, et Louko, pourquoi j'aime faire matin débat, Saint-Domingue, bien, yo mandé Louko par le biais de et consulat haïtien qui n'en laisse pas Saint-Domingue, et bien, yo mandé matin débat, font couper ce moyen parce que même ils n'ont pas gagné rien. Pendant ce temps, le coup de désir, consulat haïtien qui est Igwe, il a gagné 5 mois, il a touché un goud, il a gagné 4 ans, 4 mois, depuis qu'il n'y a pas jambé au bonus. Eh bien, consulat ça, yo, alors comme du tout, il y a deux nègres, nous connaissons le consulat, il y a un petit frère, le président Sénat, Wenzel Kassnambe, M. Selik, qui fait le consulat ça, il y a tout, et Jean-Marc, et bien, nègres ça, yo, pas touché. Et puis, ils ont demandé l'État pour payer. Mais pour nous finir, le coup de désir, nous avons dit tout, dans le moment où il y a une guerre électorale qui déclenche Saint-Domingue, il y a 3 poulains qui ont boumé là pour l'élection. Il y a Lionel Fernandez, Jodia, là, nous connaissons qui est et ça, c'est LFP, la Fuerza del Pueblo, et bien Lionel Fernandez, Jodia, là, qui a gagné 42% de l'élection avec Jodia, là, il y a tout PLD qui n'ont pas été, on a les venir. Parce que PLD qui veut faire élection, peut choisir qui est le candidat, mais il y a toute chance pour ancienne, la première dame d'Alvedo Miguel, non? En parlant de Margarita, président de Fernandez, eh bien, qui c'est lui qui a bénéficié de PLDA, mais dans un moment tout, côté parti Abiandella, qui c'est PRM, mal campé, suite à, premièrement, coronavirus qui crase, deuxièmement, corruption, en plus, on a mouru Saint-Domingue, eh bien, malgré Abiandella, mettez la main dans la rue, mettez la police, tout équipement, eh bien, police
avec l'armée dominicaine, perdit le contrôle là totalement. Je dis là, pendant la parabole là, dans le funérailles qui est le Blandino, dans Santiago, eh bien, près de 1000 policiers, dans le moment là, eh bien, plus de attention, parce que l'avocat ça, qui est hier, bandit tiré en face à Cali, c'est un avocat de renom national et international, et à la ambassade américaine, mandé justice soit rendue immédiatement parce que c'est un avocat qui était utile. Tout le pays, dans un moment où l'insécurité à Saint-Domingue, non seulement la grimpé et l'échelle nationale dominicaine, mais tout côté est capable d'hypothéquer un deuxième mandat pour le président Luis Abinader, actuel président dominicain. En tout cas, donc là, n'a pas suivi nous, même moi, Dominicain, tu as demandé à Abinader pour le suspendre. Et parler d'Haïti, donc pour occuper de préférence de problèmes grand goût qui gagne Dominicani. Exactement. Et je dis à la plus grand goût de domaine, au contraire, ça fait près de 3 mois, côté l'État, personnellement, tu as acheté 21 millions d'œufs, et on va mettre à 3 persos, parce que le peuple n'a pas bien l'argent. Pas bien, Louko, même les autant de touristes l'apprennent de ce domaine, en plus de tout s'apprendre, effectivement, oui, en plus de tout s'apprendre, mais le peuple dominicain, dans la zone sud, là, surtout dans le sud, là, eh bien, pas gagner comme ça que je peux acheter. La preuve de nous, il y a près de 350 000 jeunes garçons avec jeunes femmes et bien, qui rentrent dans le chômage en Dominicanie à cause de coronavirus. Là. Je dis à là, longtemps, si vous êtes Dominicain, c'est qu'on a fait ce braquage avec Pouya, mais je dis à là, c'est avec Machelon. Et vous regardez des personnalités, des personnages très connus dans le domaine, qui ont mouru dans le même bandit, malgré la police, malgré l'armée, avec l'hélicoptère, chars blindés, machines blindées, eh bien, bagay la vin, vire nan men Abinader, et Abinader qui mande yon consensus national, de le contraire, eh bien, insécurité qui gagne ce domaine, non seulement insécurité alimentaire qui gagne ce domaine, pas une copache de manger yo, et ça capable hypothéquer deuxième mandat Abinader pour 2024. Eh bien, merci en pile, donc, Galvez, merci en pile. Merci beaucoup, président Louko, merci beaucoup. Merci en pile, Gabriel, donc, en tout cas, et là, et ou même qui habite Mont Calvaire, qui habite donc. Montagne Noire, faut nous faire très 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 attention. OK? Donc il y a plusieurs cas de kidnapping en fait que monsieur Bandio donc réalisé au niveau de Mont Calvaire également donc au niveau de Montagne Noire, faut nous faire très très attention. Personne monde pas à l'abri. Personne monde pas à l'abri sauf mettre bagaille. Sauf mettre bagaille. Et puis autre chose également pas gain l'heure pour que ce kidnapping dans Mont Calvaire également donc dans Montagne Noire. Il fait le matin, il fait la midi, il fait la soirée. Donc, pas que le. Bon, déjà, nous-mêmes qui connaissons, qui habitons donc dans Torsel, dans la zone de bloc ID1, dans la zone ID1, eh bien, bandit, donc, à rentrer la Kaimoun, gros journée. OK? Vous avez pris d'abord maintenant tout. Monsieur débarqué, OK? Gros journée, dans la zone moun qui entre, qui entre ID1, yo. Gros journée, il paraît avec 2 camions, et puis, ils ont été dans la caille là, ils disent comment nous y est. Ouvert porte là. Ils viennent chercher quoi, ils viennent chercher les armes. Ils font tout pour coucher. Et puis ils boitent tout ça comme des nets. Ça va pas qu'à la laver mon frère. Et puis ils go craser. Donc on fait très attention. Moi même pas qu'on va ça finir dans le pays. Mais vraiment, moi même Samuel là comme situation qui a développé dans le pays. Quand tu dis déjà dans les émissions en débat, le pire va arriver. Pour Samuel là, madame, monsieur. Et tu dis dans le débat, ça fait de cela 2 ans. Je crois que le professeur Michel Soukart, ou bien Georges-Michel Dedildou. Michel Soukart, tu as dit que c'est bon, les arriver, c'est bandit ou demandé permission pour sortir la caille. Correct. Nous te dit ça le matin de débat, il y a de cela 2 ans. Et que moun, pral entrer la caille, moun, gros la journée, zama la main, yo ka entrer la caille, yo chita ou passe journée, yo faut faire manger ba yo, yo faut alasser bien ba yo, et puis à la fin de la journée, yo vire d'eau et aller. Il faut nous faire très attention. Moun qui habite Mont Calvaire et Montagne Noire, préparez-nous. Donc, il faut nous faire très, très, très attention. En tout cas, Jean-Restin Michel, ancien délégué départemental de la Tibonite, l'un des messieurs. Et nous allons mettre notre enquête pour nous connaître dans qui base Jean-Restin. Et quoi de le gars là, Mont Calvaire? Mont Calvaire. C'est de la. C'est pas un hasard, dit. Non, Mont Calvaire. Non, il n'est pas un hasard. Il dit que.